Et salut à tous les amis de YouTube. Bon, ce soir je vous présente une vidéo pour la sécurité de vos oreilles. C'est-à-dire que il faut se protéger les oreilles impérativement lorsque je chasse. Ah bon, je vais pas vous donner de leçons, si vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, moi je regrette de ne pas l'avoir fait bien avant. C'est-à-dire quand j'ai commencé, que j'étais jeune et tout, on a tiré énormément de coups de fusil aux grilles, aux canards, aux pigeons, et on ne s'est jamais protégé les oreilles. Et maintenant, dès que tu es un peu plus vieux, ben, tu as des acouphènes, tu entends moins bien, et voilà quoi. Et là, ben, tu mets des casques, tu mets des bouchons d'oreilles, mais bon, c'est un peu tard. Ça vous permet de ne pas être complètement sourd, mais voilà. Du coup, moi, ce que je vous propose et ce que j'ai essayé, c'est premièrement, j'ai acheté un casque de chatier de base, hein, ça vaut 10 €. Je l'ai peint un peu en marron parce que souvent c'est ou jaune fluo, orange fluo ou vert, quoi. Et bon, c'est pas très. Quand on chasse le migrateur, on aime bien être un peu camouflé, et du coup, voilà. C'est pour ça que je l'ai un peu peint en marron, quoi. Alors bon, je me suis servi 2 ou 3 saisons, c'est pas mal. L'inconvénient, c'est qu'on n'entend rien, quoi. Si vous avez votre collègue, votre chien qui mène, ou pour entendre un gros lot, un bip, ou quelqu'un qui vous appelle un peu loin, on n'entend rien. Alors bon, côté pratique, c'est que ça vous protège vraiment bien les oreilles. L'inconvénient, c'est qu'on n'entend pas ce qui se passe autour. Voilà. Ensuite, le deuxième truc, c'est les bouchons d'oreilles. Alors ça, c'est pour les tirs d'ice de migrateurs ou de ball trap ou de trucs comme ça. Bon, c'est pas très cher, ça se vend par 20. On achète ça à Leroy Merlin ou Castorama, quoi. Et voilà, c'est à usage unique. Une fois qu'on a fini la journée ou la demi-journée, on l'enlève, on le jette et on en prend un autre. Ça coûte que dalle. Et ça protège bien, hein, ça protège bien. Et ensuite, cette année, moi, je me suis fait plaisir. J'ai acheté ce type de casque qui est un casque à modérateur de son, mais qu'à la fois, il amplifie les sons quand il n'y a pas de déflagration. Voilà. Alors bon, c'est vrai que c'est un budget, ça coûte aux alentours de 150 €. Mais par contre, moi, je suis très, très, très content. Ça marche à pile. Pour ceux qui font les battus, on peut se le mettre à fluo aussi. Ça marche avec deux petites piles type télécommande, là, c'est des triple A. Et voilà quoi. Et voilà. En tout cas, c'est pas lourd. On est bien dedans. Ah, ben c'est sûr que l'été, ça fait un peu chaud aux oreilles, mais bon. Il vaut mieux avoir un peu chaud aux oreilles qu'être sourd. Voilà. Ça se met en route, on règle le son, le son de l'extérieur, en plus ou moins. Moi qui suis. Bon, je ne suis pas complètement sourd, hein, mais il y avait des sons que je n'entendais plus, du style les grives, quand le chic, quand le son un peu haute et tout. Je ne l'entendais plus, grâce à ça, je l'entends maintenant. Et voilà. Seul petit bémol pour ce casque, c'est le vent. S'il y a beaucoup de Mistral, ça s'engouffre dans les micros et ça vous coupe en permanence, quoi. C'est-à-dire que ça fait un peu des coupures non-stop. Ça fait... Voilà. Sinon, on tire des coups de fusil et tout. Le soir, tes oreilles, elles sont nickel, quoi. Voilà, c'est 3M qui fait ça. C'est le Peltor Sportact. J'ai acheté ça à Decathlon, quoi. Alors, ils en ont plusieurs modèles de casques comme ça. Moi, j'ai pris celui-là, je me suis dit, bon, mais. Eux, ils m'ont conseillé que c'était vraiment le top. Alors, j'aurais peut-être dû le prendre avant, mais voilà. Du coup, tout ça pour dire que c'est très important, surtout si vous êtes jeune chasseur, que vous faites du migrateur. Un conseil. Protégez-vous les oreilles parce qu'après c'est trop tard. Une fois que vous avez sûrement atteint le seuil de nombre de coups avec les années, ça se récupère plus, quoi. Voilà.
En tout cas, merci pour tous vos commentaires. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et voilà. Merci. À bientôt.